Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, les gars, sur Assetto Corsa aujourd'hui. Les frérots, on est en mode multi. Certains d'entre vous m'avaient demandé justement de proposer de temps en temps du online sur Assetto Corsa. C'est chose faite aujourd'hui. Je viens à peine de rejoindre le serveur. Visiblement, les qualifications sont terminées. Et on est sur Monza, si je me souviens. Et on va se mettre au volant de cette 458 GT2. Par contre, on va lui faire peut-être un setup rapide. Je sais pas ce qu'elle voit sur ce terrain. Alors par contre, je sais plus combien de tours il y a sur la session. Oui, il y a 7 tours. 7 tours. Le premier tournant 1:49. Putain, ils ont eu le temps là d'inscrire les chronos. Essayer de voir. Mince. Attends, on va essayer de se laisser ça peut-être. On va se le mettre juste en dessous du rétro. En tout cas, le skin est pas mal. Putain, elle a de la gueule. Du blomping. En triple screen, ça peut rendre pas mal. Hey, ils m'ont coupé tout de suite mon délire. Bon, du coup, il va y avoir peut-être une minute de warm-up. Ah, bah, en 30 secondes. Est-ce qu'il y a des choses à vérifier? Au niveau de l'appui, on va laisser tel quel. La matière, il y a du contrôle de traction. Toi, est-ce que tu m'as complète les stewlops? Quoi? Bah écoutez, je suis peut-être dans la merde. Vous voulez savoir. 40 litres pour 7 tours, ça fait quand même beaucoup. Ah, le rétroviseur, je crois qu'il est configuré comme ça sur... Faites doucement les mecs. Vous êtes filmés en plus. Putain, j'ai pas eu le temps de faire un chrono, mais on est déjà 8ème. Hein. Est-ce que tu penses que je peux me ranger? Ouais. Comme j'ai le face truck hier. Du coup, ça m'empêche de checker mes rétroviseurs. Putain, mais le mec, il empêche les gens de passer, hein. Il y a plus rapide passe. Et voilà, mon gars, ça t'a coûté déjà. Ça t'a coûté une place à vouloir bloquer. Peut-être juste la course en général. En fait, je l'ai vu, hein, mais quand je l'ai esquivé, j'étais pas sûr que ça passait. Vas-y, y a du monde qui arrive derrière. Comme j'ai été ralenti, le mec il arrive comme une bombe. Ah ouais, là on le voit, on le distingue beaucoup mieux. Avec des appuis à 2-4. Ah non, viens pas gratter l'amitié là. Oh foire. Je crois que ça doit être les 40 titres et peut-être les appuis. Boîte elle est plus longue. Voilà, c'est bon. Parce que j'ai eu l'impression d'avoir passé la deuxième plutôt que lui. Le petit rebord là.
frère, quand tu prends pas le temps de faire un setup. On arrive comme ça, à froid. On est comme sixième. On a commencé parmi les derniers. Pourquoi passer la troisième, la deuxième en quatrième? Bon, apparemment au niveau du freinage sur la zone qu'on vient de passer, ça nous donne un petit peu plus de chances de passer, de le rattraper plutôt. Ça doit être mon setup qui est mauvais parce que là, on a tendance à se virer. Ouais, il y a le contrôle de traction en fait. Pas d'ABS je pense, mais contrôle de traction. Ouais, niveau freinage, je pense qu'il a tendance à freiner plutôt. Parce que le top 5, ça m'intéresserait bien pour cette course. Ah maintenant c'est le survirage. T'arrives l'arrière et se fait décrocher mais... Putain on m'a mis un espèce de grillage là sur le pare-brise. Je sais qu'on peut aller le chercher mais je fais que des erreurs. On a le quatrième au loin. Peut-être beaucoup plus compliqué. Au niveau de la suspension, c'est bien géré quand tu grimpes sur les vibreurs. La zone verte là, on aurait dû la peindre en rouge, c'est dangereux ça, pour la propulsion de mettre le roue dedans. On attaque le cinquième tour là, putain mais... Le quatrième? Je suis encore un peu hésitant à la sortir. Ouais, magnifique hein. Ouais, c'est cette vue là. Elle est pas mal cette vue, putain. J'allais dire, le mec il est pas du tout fair play. J'allais dire, c'était impossible que c'était le quatrième. Par contre, j'ai juste peur qu'il me tape dans le cul maintenant. Ça va. Le mec, malgré que c'est pris un tour d'avance, il est toujours là. Hein. À moins que ce soit vraiment le... Parce que je viens de passer cinquième. Hein. Et quand je l'ai dépassé, j'étais pas cinquième. Peut-être qu'il y en a un qui a quitté. Top 5. Mais bon, le mec de devant, ça restera toujours notre objectif. Putain, mais la TH, il a un décalage ou quoi? Je
Franchement, la bulle, elle est top. Parce que bah, finalement, t'as le volant entre les mains. On peut le dupliquer. Et ouais, mon gars. Objectif atteint. Que je fasse pas d'erreur. Deux gaillards devant nous et je viens de tomber dans la zone jaune de carburant. Les pauvres, les dieux du Salem depuis un week-end. On repasse à la vitesse suivante. Ah ouais, le mec, il a réussi à gratter un peu de terrain dans le virage. Niveau carburant, ça risquerait d'être juste. Hein. Putain, jure, elle était en train de décrocher à l'arrière. Le fait de pas accélérer parce qu'on sait pas ce qu'il va faire, marche arrière, marche avant. Bon, du coup ça nous fait passer troisième. Hein. Oh punaise. J'étais persuadé qu'en restant sur le vibreur et pied au plancher, ça va me coûter. Ça va me coûter une sortie, il arrive comme une bombe le salaud. De l'aspiration forcément. Assouvir la mienne. Belle bagarre. Putain, sur le dernier tour en plus. J'ai peut-être trop d'appui ou quoi. Mais non ! Non mais c'est une blague, sérieux. Je sais même pas pourquoi je relevais le pied sur le freinage. Dommage, la vérité. J'ai bloqué mes roues alors que c'est le dernier tour. Voilà, ça y est, je fais de la merde. Leader est dans le final life. Ok, donc le leader il est sur le dernier tour. S'il te plaît, tourne. Ça, c'est les pneus qui supportent plus rien maintenant. Tu fais quoi, toi, sérieux? Juste pas de coup de volant quand je passe. Et on sera plusieurs à te remercier. Moi, il a un tour de retard, lui. Non, c'est une blague. Ouais, c'est les pneus, ils sont morts. J'avais mis du... J'avais mis du super soft, je crois.
Allez, tourne. Le mec, le coup de raquette qui s'est pris là, je sais pas si vous avez vu dans le rétro. Bon, on finit quatrième. À la base, c'était top 5, mais j'ai fait pas mal d'erreurs, la vérité. J'ai fait pas mal d'erreurs. Attends, on va essayer de le terminer. Putain, même les pneus, ils ont eu du mal à suivre. Ils ont eu du mal à suivre. Bah, c'est bon, c'était le dernier tour. Bon, ben voilà, les frérots. Petite session multi. Honnêtement, j'ai foiré mon freinage sur la chicane. Je pense que j'aurais été beaucoup mieux positionné. Que seulement. Quatrième tout de même avec zéro qualification. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Bref, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.